Bon matin à toutes et tous, eh bien on se retrouve pour la dernière guidance de la semaine. Nous sommes vendredi 22 novembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, ben oui, on ne va pas changer nos habitudes. La petite philosophie de ce matin est fortifier son caractère. Les difficultés, eh bien, font partie de la vie. En les surmontant, on prend confiance en soi et on fortifie son caractère. En les fuyant, n'est-ce pas? Eh bien, on se fragilise et on s'affaiblit. À méditer encore une fois. Eh bien, aujourd'hui, j'ai pigé pour terminer la semaine une magnifique carte puisque c'est la paix. Que demander? La paix. Chacune de mes cellules est emplie de paix. Partout où je suis, la paix voit le jour pour le bien du monde entier et de tous les êtres vivants. Alors peut-être que certains d'entre vous avez demandé la paix intérieure et extérieure. Et c'est grâce à la fleur de vie que celle-ci se dirige maintenant dans ta direction. Ton être tout entier est tout doucement traversé par les flots de la paix. Et tout au fond de toi, n'est-ce pas, une intuition est en train de naître qui te fait ressentir, eh bien, ce que signifie la véritable paix. Tu découvres ainsi à présent, eh bien, la voie qui mène à ce lieu calme et immense d'une existence paisible. Toute ta communauté est portée par cette divine énergie universelle de la paix. Tes pensées, tes actions, ton langage, voire ton être tout entier sont encore plus intensément mis au diapason de cette fréquence d'une paix globale. C'est la fleur, eh bien, de la paix qui érige cet espace. Et à chaque souffle de ta respiration, n'est-ce pas, elle fait naître une paix encore plus profonde en toi, tout autour de toi, indépendamment des autres. Et c'est ainsi que tu vibres à ton propre rythme, au son d'une mélodie dont les pulsations de la paix constituent la cadence de base qui porte tout. C'est tout en douceur, eh bien, que tu évolues au son de cette mélodie paisible. Ce faisant, n'est-ce pas, tu propages ainsi cette paix que tu as toujours désirée pour la vie. Tu n'as plus besoin de chercher cette paix à l'extérieur, car tu l'accueillis, tu la vis en toi. Et ton défi aujourd'hui, eh bien, ne permet pas à la discorde du monde en extérieur de déranger ta paix intérieure. Ne te laisse pas contaminer par les pensées ou les actions belliqueuses d'autrui. Fais-toi enseigner la neutralité et l'indépendance par la fleur de vie et apprends à sauvegarder la paix dans ton fort intérieur. Il n'y a que toi, n'est-ce pas, qui puisse développer et vivre la paix en toi. Personne d'autre
peut te la donner. Toi seul, tu peux l'acquérir. Plus grand est le nombre de personnes que tu parviendras à guider à ton exemple sur la voie de la paix, eh bien, plus vite la terre pourra être à nouveau transformée en un paradis paisible. Wow, quelle belle guidance, n'est-ce pas? Rechercher cette paix intérieure. Vous avez peut-être des difficultés à trouver cette paix intérieure. Eh bien, posez-vous la question, qu'est-ce que je peux mettre en place pour trouver cette paix intérieure? Car vous seul, vous pouvez vous la procurer. Il n'y a personne d'autre qui peut le faire et vous la donner. Waouh, waouh, waouh! Et je termine par le message de ton âme. Se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Wow, quel beau message, n'est-ce pas aussi, de ton âme. Wow, j'ai émerveillé dans ce que je tire, vraiment. Ça fait du bien, la paix. Lorsqu'on a la paix intérieure et qu'on se reconnecte à soi, on est dans une plénitude, une bienveillance, un amour inconditionnel et ça se voit. Ça se répercute à l'extérieur et on voit ça chez une personne lorsqu'elle est en paix intérieure. Elle reflète le bonheur. Eh bien, faites-en autant, reflétez le bonheur. Ayez cette belle paix intérieure. Je vous souhaite une excellente journée, un joli week-end. N'oubliez pas de mettre un pouce pour permettre à l'algorithme, et bien de faire connaître ma chaîne. Ça serait très gentil de votre part. C'est en cliquant sur le petit pouce que et bien l'algorithme va mettre ma chaîne en avant. Merci. Avec toute ma gratitude, je vous souhaite un joli week-end dans la paix, la bienveillance, l'amour inconditionnel et dans ce bel oracle de la fleur de vie qui nous fait travailler sur nous. Et puis, voilà, moi, on se retrouve dans une prochaine capsule. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien et moi, je vous embrasse tout fort.